Bonsoir, ici Chantal Villemaire pour québecmedia.tv. Nous sommes présentement au Musée des beaux-arts du Québec pour le grand événement Miss Afrique Québec 2019. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence cette troisième édition? Oui! Bon, Valérie, ce soir, on est là pour... Miss Afrique. Miss Afrique Québec, hein? Exactement. Alors, cette année, mesdames et messieurs, on a décidé de vous faire quelque chose de beau, quelque chose de spécial. Nous avons 8 candidates qui viennent de 8 pays différents. Mais avant de dire 8 pays différents et les candidates, oui. On va dire un peu à ceux qui, c'est leur première fois, oui. On lève la main. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce que Miss Afrique. OK. Alors, on leur explique un peu qu'est-ce que Miss Afrique. Qu'est-ce que Miss Afrique, Laurent? Ben, écoute, Miss Afrique, tout simplement, c'est une plateforme, c'est une façon comme ça de donner la chance à ces jeunes filles dynamiques qu'elles donnent une expression de leur intelligence, de leur beauté. C'est une compétition de beauté, pas de beauté physique, mais de beauté aussi artistique. Exactement. Que culturelle et tout. Donc, elles vont nous montrer comme ça de quoi elles sont capables. C'est aussi un vecteur de communication entre le peuple et ces jeunes femmes dynamiques. Oui, ces jeunes. Présentez leur projet. Exactement, ces jeunes femmes-là sont soit dans la danse, dans l'art visuel, ils sont notamment dans le chant, la musique, l'entrepreneuriat, les vêtements. Alors, c'est des jeunes de 20 ans qui sont d'origine africaine, oui. Tout pays confondu, et qui travaillent d'arrache-pied pour faire fleurir, qu'est-ce que leurs racines leur apportent dans un pays comme le Canada et le Québec. Alors, Miss Afrique, c'est ça. C'est la compétition entre 8 personnes, mais qui n'oublient pas leurs racines.
Bonsoir, chers membres du jury. Mon nom est Géraldine, je suis la candidate numéro 8 et je représente la République centrafricaine. Moi, je ne vais ni chanter ni danser, je ne sais pas faire du théâtre non plus, mais j'ai un super pouvoir. Vous voulez savoir? J'ai reçu un don de faire de la couture depuis que je suis toute petite, sans l'avoir apprise. Je me rappelle, quand j'étais encore enfant, je me promenais, j'allais chez les couturiers du quartier, je ramassais des petits morceaux de tissu avec lesquels je faisais des robes que je portais moi-même. Et c'était juste à base d'un fil et une aiguille. Et mon père, au fil des temps, a décidé de m'offrir un cadeau et c'était une machine à coudre. Et c'est à partir de là que tout est parti. Pour mon talent chaud de ce soir, je vais vous présenter un défilé avec des vêtements que j'ai créés moi-même. Et j'ai pris soin... de rejoindre le thème de ce soir qui est entre la tradition et la modernité. Oui, on vit dans une société moderne, je n'en disconviens pas, mais
on peut juste ajouter ne serait-ce qu'une petite touche de tradition dans notre manière de s'habiller. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder le défilé. Mais avant de partir, j'ai envie de vous dire ce soir que peu importe la société dans laquelle on vit, on ne peut pas se haïr, on ne peut pas haïr nos valeurs et nos cultures et vouloir aller de l'avant en embrassant celles des autres. Alors, mon petit message avant de finir, c'était que peu importe le sol où vos pieds fouleront, n'oubliez jamais d'où vous venez. Je vous remercie. Vous avez applaudi comme si elle n'avait rien fait ce soir. Et bien, vos filles, merci. Et c'est la deuxième dauphine de la deuxième édition qui leur remet leur... Félicitations, mesdemoiselles. Maintenant, alors, on est en 2019. Mesdames et messieurs, la Miss Afrique. La Miss Afrique. Attends, on va jouer. La Miss Afrique 2019 s'appelle Danouchka. Danouchka du Gabon. Le Gabon est gagnant cette année, mesdames et messieurs.
avec un très beau projet, des belles prestations ce soir. Le Gabon est gagnant ce soir. Voilà, j'imagine qu'elle va dire un mot. Je veux remercier déjà tous les jurys qui étaient présents, remercier le public, remercier les coachs qui ont vraiment soutenu du début de A à Z, remercier le comité et enfin remercier mes consoeurs derrière moi parce que maintenant j'en dirais une grande famille. Et puis même si c'est eux qui ont gagné, non, c'est la fille qui a gagné aujourd'hui, merci.